Pour rêver devant des globes, il faut être solitaire dans l'âme, mais surtout bien entouré. Après 10 mois de travail, les équipes du chantier Multiplast de Vannes ont définitivement passé le relais au Gitana Team. Le Mono 60 Edmond de Rothschild est enfin prêt à rejoindre son élément. Le dernier montage définitif, on va dire, avant la mise à l'eau. On l'a déjà monté à blanc au moins 5 ou 6 fois, mais là, ça y est. Normalement, c'est la dernière. L'aigle est le lion des armoiries Rothschild pour une exceptionnelle bête de course. Avec le Mono 60 Edmond de Rothschild, Sébastien Josse dispose d'une machine à la hauteur de ses ambitions. Un bateau parfaitement dans la lignée des Gitanas, aussi beau que performant. 3 mètres encore. Et on avance. C'est quand même émouvant. La pensée, on est parti d'une page blanche avec le Gitana Team. Donc tous les détails, tous les recoins, en tout cas toute la philosophie du bateau, elle nous correspond et elle me correspond pour le prochain Vendée Globe. Et ça, c'est vrai que là, le voir avec un petit peu de recul, ça met un petit peu la boule à la gorge. Edmond de Rothschild aura demandé 10 000 heures d'études et 30 000 heures de chantier. Un investissement humain colossal au service d'une ambition clairement affichée. L'objectif, c'est vraiment d'aller chercher la victoire. Donc en fait, on a préparé un bateau avec Sébastien et toute l'équipe de façon à ce qu'on soit le plus performant possible et en tout cas essayer d'aller décrocher la timbale. Il y a encore du travail, on a largement le temps de s'y préparer, on a les compétences, on a toutes les cartes en main, en tout cas, que ce soit technique ou sportif, pour arriver au top. Une fois équipé de sa quille et de son gréement, Edmond de Rothschild va progressivement goûter à l'ivresse du grand large. D'ici l'automne, il sera fin prêt à s'aligner au départ de la Transat Jacques Vabre, son premier grand test face à la concurrence.